Bonjour, bonjour tout le monde, je suis très très contente de vous retrouver. On est déjà mercredi, ça passe à une vitesse de fou. Et à la fois, pas trop quand même. Quand on compte le nombre de semaines qui restent avant les grandes vacances, c'est un peu démoralisant, surtout pour les enfants en fait. Ça leur fait encore une longue période, très très longue, et on sent que ça va être très très compliqué la fin de l'année. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? C'est que ben déjà, on va découvrir le nouveau défi de cette semaine et je vais vous présenter deux nouveaux formats qui sont sortis pratiquement en même temps, hein, je vais dire. Il y en a un qui est sorti ce week-end et un qui est sorti là en tout début de semaine, donc lundi. Donc, je vais vous présenter ça. Mais avant, je vais vous montrer d'abord le défi que nous avons à faire, nous avions eu à faire pour aujourd'hui. Il s'agissait donc d'un petit Twinchy, tout petit Rikiki mini, tout mignon, avec du rouge et du bleu, avec le thème un animal volant, voilà, dessus, et en intégrant de la pâte de structure. Alors c'est parti, je vous montre tout ce que j'ai reçu. C'est parti! Et voilà, vous avez pu voir ces jolies pépites. Vraiment, j'espère que vous en avez eu plein les yeux. Franchement, c'est super. Bravo, bravo à toutes. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, avant de passer au tirage pour la semaine prochaine, je rappelle que pour la semaine prochaine, il y a le défi du mois de mai qui va se terminer. Donc, il vous reste une semaine pour réaliser le défi du mois de mai.
Et il s'agit de faire soit un kiss, soit un trinchi, en intégrant du verre. Il faut écrire le mois de mai sur sa création, donc MAI, hein. Voilà. Et le thème, c'est les ponts du mois de mai, parce que nous en avons eu beaucoup cette année en mai, hein, le 1er mai, le 8 mai, le pont, le viaduc de l'Ascension, et nous allons avoir le lundi de Pentecôte, qui est entre, voilà, qui finit le mois de mai, on va dire ça. Oui, si, ça finit le mois de mai. Attendez. Oui, c'est là, bientôt, c'est ce week-end. Donc, oui, ça finit le mois de mai. donc, vraiment, il y a pas mal de choses à faire sur ces petits ponts du mois de mai. Et j'en ai reçu certains qui sont plutôt très, 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 très intéressants. est-ce que je vous montre mon petit défi de cette semaine que j'ai réalisé sur les animaux volants? Parce que je les ai sous les yeux, mais généralement, j'oublie de vous les montrer. Donc, je vais vous montrer rapidement. Voilà, donc il s'agit de mes petits Twinchies, voilà, avec animaux volants. Sauf que j'ai fait ma petite création. Voilà, super, j'arrive à la fin, je colle mes petites bébêtes dessus et je m'aperçois que j'ai oublié la pâte de structure. Donc, ben, j'ai essayé de faire une petite patouille quand même. Je ne sais pas si vous allez le voir, il y a un léger, léger relief, mais bon, c'est pas ça non plus. Donc, bon, on va dire que c'est moyen. Mais bon, je me suis bien amusée quand même à faire ma petite colo sur mes petits oiseaux, mes petits animaux, pardon. Et voilà. Donc celui-là, je me suis amusée à lui donner un petit peu de relief. Voilà, je me suis amusée. Voilà, mes petits Twinchies. Du coup, j'en profite. Voilà, j'ai la caméra sur le plan de travail. Du coup, je profite pour vous présenter les deux nouveaux formats qui sont sortis cette semaine. Donc, il y en a eu deux, 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 deux. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Alors, il y a le FI qui est créé par Coltoupartout. Donc, Sylvie, si tu passes par là, coucou. Et encore merci d'avoir créé un nouveau format. C'est top. On va encore pouvoir élargir notre petite roue des défis. Alors, il s'agit du flag initial ou fanion initial, mais elle préfère le flag parce qu'elle n'aime pas le mot fanion. Donc ce sera le flag initial qui peut se présenter soit avec une forme pointue comme ceci, soit une forme arrondie, soit une pointe inversée. Il existe encore d'autres formes. Ça peut être une sorte d'accolade aussi en bas. Ça peut être tout droit aussi. Il existe des fanions où c'est tout droit, voilà, forme d'accolade. Après, vous pouvez aller sur internet pour voir d'autres formes, mais je pense que avec 5 formes, c'est déjà pas mal. Bref, ce petit fanion a une dimension bien particulière. Il fait 12,5 cm de longueur, oui, de longueur. Et de largeur, il fait 6,5 cm. Voilà. On fait un pli ici en haut à 1,5 cm, comme ceci. Et dessus, on fait la déco que l'on veut en intégrant une initiale de votre choix. Hein, ça peut être la sienne pour envoyer à une copinette. Ça peut être celle de la copinette qui va le recevoir. Ça peut être voilà, la lettre que vous souhaitez. Voilà, à vous de voir ce que vous voulez. Donc, le petit pli ici sert à intégrer une petite ficelle. Voilà, comme ceci, hein, vous choisissez la ficelle que vous voulez, vous faites un petit nœud, etc. Et ça vous fait un petit fanion. Voilà, que l'on peut accrocher sous forme de guirlande dans son atelier. Ça peut être pas mal, pourquoi pas. Voilà, donc ça, c'est le FI de Coltoupartout. Et sur le même principe, il existe le fanion de l'amitié qui a été créé par le scrap de Ginny qui a une page Facebook. Donc vous pouvez aller la rejoindre sur Facebook
aussi. Hein. Là, par contre, c'est un fanion. Donc là, je vais reprendre celui-ci, hein, peu importe. Un fanion, mais qui n'a pas de dimension particulière. Là, vous faites la taille que vous souhaitez. Grand, petit, moyen. Voilà, c'est vous qui voyez. Avec un matage à l'intérieur. Et il faut une particularité, une bulle à l'intérieur. Une petite, vous savez, comme les BD, là, une bulle, avec un message écrit à la main pour la personne qui va recevoir ce petit fanion de l'amitié. Voilà, c'est tout, tout simplement. Donc, le FI de Call to Partout sur YouTube et le fanion de l'amitié sur Facebook avec le scrap de génie. Voilà pour les deux nouveaux formats de cette semaine. Et maintenant, on va passer au tirage du nouveau défi pour cette semaine. C'est parti, allez go! Alors, nous voici sur la roue des défis. J'ai rajouté évidemment le flag initial et le fanion de l'amitié. Hein. Ça rentre dans la roue des défis. Donc, ben, on va pouvoir se lancer. C'est parti pour la semaine prochaine, pour le 31 mai. Eh oui, ça y est, le 31 mai arrive. Attention, donc c'est parti, 3, 2, 1, go! Allez, cette semaine, nous allons faire une carte glacée, une petite carte glacée qui a été créée par... Le scrap de Gis, voilà, j'ai eu un petit trou de mémoire. Je vous expliquerai le format juste après, vous inquiétez pas. Ensuite, on va passer hop, aux couleurs. Attention, 3, 2, 1, go! La petite carte glacée qui va avoir quoi comme couleur? Attention. Du vert et du jaune. Ensuite, la matière. Attention. Attention les yeux. Attention, attention. De la pâte de structure. Voilà. Allez. Pas de structure. Cette fois-ci, je vais essayer de la faire, mais sans me tromper, sans oublier surtout. Ensuite, on va faire le thème. Attention, attention. Hop, c'est parti, hein. Pourquoi je réfléchis? On y va. Allez, 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 allez. La carte glacée manga. Alors, pour ceux qui n'ont pas de manga à découper à la maison, vous inquiétez pas, vous pouvez aller sur internet, trouver des images sur les mangas et imprimer, découper. Voilà, hein, c'est très très bien aussi. Voilà, moi c'est ce que je vais faire personnellement parce que je n'ai pas de manga à la maison. Hein. Voilà, mais bon, c'est sympa. J'aime bien ce. J'aime bien les petits thèmes comme ça qui changent de d'habitude. Allez, c'est parti, je vous explique ce qu'est une carte glacée. On y va. Allez, la petite carte glacée, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de ce petit format qui se présente comme ceci. Hop là. Avec... Hop là, je défais, mais voilà. Donc, le scrap de Gis a créé ceci. Alors, il y a une base en forme de rectangle ici qui fait 6 cm par 19 cm de long. Ces 19 cm, on les plie en deux pour avoir un rectangle de ce format. Voilà. Tout simplement, hein. On plie en deux. Sur les 19 cm, on plie en deux. Ensuite, il y a un deuxième papier, pardon, qui fait 6 cm par 9,5. 9,5 là, comme ça. On fait sa petite déco dessus.
et on vient coller ceci sur sa petite glace. Au milieu, on met un petit bâton, là, au milieu. Voilà. Et nous avons notre petite glace, carte glacée, voilà. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Encore pas mal de démarchage, c'est fatigant ça. Ça me fatigue. Ensuite, donc sur cette carte glacée, vous voyez qu'il y a les bords arrondis, voilà, parce que c'est plus sympa avec les bords arrondis. Ensuite, on fait la décoration que l'on souhaite et avec le thème du coup, hein. Voilà. Voilà. Ah, et elle nous demande aussi de faire un contour noir, voilà, sur la tranche de notre petite carte glacée. Voilà. Pour les versos, il n'y a pas d'information particulière sur le sujet, donc vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Soit vous faites une décoration recto verso et en laissant une petite place pour mettre des petites informations. Voilà. Ou sinon, vous mettez les informations habituelles. Voilà. Vous faites comme vous voulez derrière. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en barre de commentaires sous cette vidéo, hein, c'est fait pour ça. C'est fait aussi pour aider les copinettes qui n'osent pas poser les questions. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Mais si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Hein. Hop, la barre d'infos, la barre de commentaires est là pour ça. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !